Mais où est mon stylo? Je suis sûre que c'est Jean qui me l'a piqué ou Mira. Non, ça ne peut pas être Jean. Je suis sûre que c'est Mira. Déjà qu'elle vole le mari des gens. Combien de fois le stylo? Ah Jean, toujours en retard. Bonjour Sophie. Tu parles toute seule maintenant? Non, au fait, je cherche mon stylo. Tu l'as pas toi? Non. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux me prêter le tien s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Tiens. Merci. Il est maintenant à moi. Le stylo, il coûte 100 francs. Tu sais ça quand même? Jean, ça fait 2 mois qu'on ne nous a pas payé. 100 francs, c'est tout un budget. Au fait, ça va? Tu m'as pas l'air en forme. Mireille, là. Ah, encore le nom de cette bonne fille. Je croyais que vous êtes séparés après ce que tu as vu de tes propres yeux, Jean. Écoute, Sophie, c'est pas si simple. Je crois que tu es réellement amoureux de Mira. Quoi? Jean, c'est même vous que je cherchais. Dans mon bureau, tout de suite. Jean, je suis mécontent de vous. Non seulement vous venez en retard tous les jours, et maintenant vous courtisez toutes les femmes de l'entreprise. Ça manque de sérieux. En fait, monsieur, le souci c'est que j'habite loin. Et avec les embouteillages dans la ville, c'est pas du tout évident. C'est pas mon problème. Vous me devez plusieurs heures de travail. Alors, soit vous me faites des heures supplémentaires, soit vous êtes viré. Ok, monsieur, c'est compris. Vous pouvez disposer. Quoi encore? Il faut qu'on se parle. Tu dois t'éloigner de Jean. Non, je ne le ferai pas. Je vais te taper très mal. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux avoir tous les hommes que tu veux et les traiter comme bon te semble? Je peux avoir tous les hommes que je veux et les traiter comme je veux. Mira, tu as l'air d'être une fille légère. Je suis sûre que le poste que tu occupes, tu n'as pas le niveau pour. Tu es en train de m'insulter. Sérieusement. En fait, je comprends tout simplement que tu es jalouse de moi. Non, en fait, tu es amoureuse de Jean. C'est ça? Oui, je l'aime bien. Et beaucoup même d'ailleurs. Donc, ne t'approche plus de lui. C'est quelqu'un de bien. Et si tu tentes de t'en prendre à mon poste comme tu l'as fait la dernière fois, j'irai retrouver la femme du poste. Je vais tout lui raconter avec les preuves à l'appui. Je parie que ton forfait de petites faveurs va prendre fin dans cette entreprise. Sophie, Jean ne t'aimera jamais comme il m'aime moi. Même le patron m'aime, ils m'aiment tous d'ailleurs. La preuve, regarde-toi, regarde-moi. C'est la lumière et l'obscurité. Jean, tu étais là? En fait, je suis en train de réaliser que je n'ai pas de chance. Je suis tombé amoureux de la mauvaise fille. Mais tu sais quoi? Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Allez, oust. Du balai. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, tu sais. Cette fille ne sort pas les narines. Et je te l'avais pourtant prévenu dès le départ.